quelle belle journée ensoleillée. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Wow! Avec ce gros ballon, on verra mon garage à des kilomètres à la ronde. Ha ha! Ah, qui ça peut être? Je suis occupé. Max? De l'air pour tes pneus? Oh, très bien. Attends, Monsieur Weasel ne met pas de l'air dans les pneus de Max. Il met l'hélium de ses ballons. Ce qui veut dire... Ne t'inquiète pas, Max, j'arrive. Hey! Oh! C'est un sacré coup de tournevis. Comment ça de ma faute? Oh, ne panique pas, Max. On va trouver quelque chose. Max, si je laisse sortir un peu d'air des pneus, on va partir en trombe comme un ballon. C'est ça, Max. Direction le garage. Et voilà, Max. Ils sont comme neufs. Je vais lui montrer à ce gecko dès que mon ballon publicitaire sera prêt. Oh. Bonjour tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus, tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là, Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez les mécaniciens. Aïe! Non! Ce n'est pas ça. Attends une minute. Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Hourra! Bien joué, Bleu. Bien joué, Vert. Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au garage de Gecko. Au revoir! Je ne me sens pas très bien. Oh mon Dieu! Il y a la visite de Carrie le bus aujourd'hui. Vous pouvez vous en occuper, les mécaniciens? Oh.
que tout va bien? Ce bruit. C'est bon. Je me sens mieux maintenant. On dirait que tout est sous le contrôle des mécaniciens. Bon travail, tout le monde! Hé hé! C'est Max, le Monster Truck! Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Oh! Tu veux ressembler à ton héros, King Crash! Je crois qu'on peut y arriver, Max! Je vais prendre mes outils! Les mécaniciens, vous pouvez commencer. Voilà, j'ai pris mes outils. Les mécaniciens, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, vous pouvez tous penser qu'il est joli, mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Ne t'inquiète pas, Max, on va arranger ça. On a fini, Max. C'est ce que tu voulais. Un autre client satisfait au garage de Gecko. À la prochaine. Ah, c'est tellement agréable d'être en vacances. J'adore le camping. Oh, le feu s'affaiblit. Jaune, tu peux aller chercher du bois, s'il te plaît? C'est le moment de raconter une histoire. Je crois que le livre d'histoire est dans la caravane, Vert. Merci, Jaune. Attends une minute. Ce sont les butées de roues. Ce qui veut dire... Vite! Arrêtez cette caravane! Il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Merci, Hiver. Sacré coup de tournevis. Hourra! Bon travail, Tilly! Oh, bien joué, tout le monde! On l'a échappé belle!
Oui, Vert, c'est maintenant l'heure de l'histoire. À la prochaine. Au revoir. Peux-tu me passer une clé à molette bleue? Ce n'est pas une clé à molette bleue. C'est une cuillère en bois. On dirait que c'est bébé camion. Je me demande pourquoi il y a tant d'excitation. Je vous présente le nouvel électro-aimant de Wilbur T. Weasel. Oh! Comment je l'éteins? Oh! Oh! Oh non! Weasel a des problèmes magnétiques! Tout va bien, Gecko. Si vous pouviez juste couper le courant en tournant ce boulon... Bleu, arrête! Un aimant attire tout ce qui est en métal! Oh non! Les mécaniciens! Oh, je sais, maman recyclage. Je dois couper le courant, mais je ne peux pas utiliser un outil en métal. Bien sûr! La cuillère en bois! C'est bon, les amis. Je vais vite vous libérer. Avec l'outil que j'ai fait à partir de la cuillère en bois. Ah, ça ne va pas marcher. Ouch. Est-ce que tout le monde va bien? Oh, super. On se revoit bientôt au garage de Gecko pour de nouvelles aventures. Au revoir. Allez, Bleu, c'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, les mécaniciens. Hein? Bobby, que fais-tu ici si tard? Oh là là, tu as besoin d'une nouvelle roue. Je peux réparer ça. Mais il ne faut pas faire de bruit. Ah! Oh! Ouf. On l'a échappé belle. Oula! Non, 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 non! C'est fini, Bobby. Bonne nuit. Je vais peut-être juste m'asseoir un moment. Bonjour à tous, je suis Gecko. Aujourd'hui est un jour très spécial. Première visite de bébé camion dans notre garage. On veut donc lui faire un accueil tout particulier comme Gecko sait si bien le faire. Bonjour bébé camion. Tu es nerveux? C'est bon, tu es entre de bonnes mains, n'est-ce pas les mécaniciens? Ah! Oh!
camion. Attends. Oh non. On a fait fuir bébé camion. Ne t'inquiète pas, maman camion. On va le retrouver. Vite, les mécaniciens. On doit trouver bébé camion. Pauvre petit camion. Où peut-il être? Tu te caches, bébé camion? C'est parce que tu es nerveux? Devine quoi? Moi aussi. C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolée si on t'a fait peur, mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Passe une excellente journée, bébé camion. Tu as été très courageux. Oh, de rien, bébé camion. Merci beaucoup d'être venu au garage de Gecko aujourd'hui. Au revoir. Salut tout le monde, c'est Gecko. On a une belle journée ensoleillée. Alors je me suis dit que j'allais observer les oiseaux. Oh, regarde, ce sont les jumeaux, Barry et Carrie. Oh non! Barry est tombé! Vite les mécaniciens, on doit l'aider! Allez, allez, Tilly la dépanneuse! Ne t'inquiète pas, Barry. On va vite te sortir de là. Bleu. On va t'examiner. C'est étrange. Ton moteur ne veut pas démarrer. Carrie va remonter le moral de Barry. Comme c'est charmant. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Ce poisson était coincé dans le pot d'échappement de Barry. C'est pour ça que son moteur ne démarrait pas. C'est si agréable quand des amis vous rendent visite. Ça aide à aller mieux beaucoup plus vite. Le poisson est chez lui, sain et sauf. Ses amis ont dû s'inquiéter pour lui. Eh bien, tout est bien qui finit bien. On se revoit bientôt. Au revoir. Tu as raison, Vert. Il y a un feu. On dirait que Fiona, le camion de pompiers, est en route. Oh non! Maman camion et bébé camion font une course. Ils font trop de bruit pour entendre la sirène de Fiona. Fiona, il est temps que l'on t'installe une sirène plus forte. Allez, les mécaniciens, il est temps de mettre une nouvelle sirène à Fiona. C'est ça. Il nous faut un son pimpon bien fort.
un essai, Fiona. Ce n'est pas le bon son. C'est celui d'une sonnette de porte. Essayons encore. Là, c'est le son d'un dinosaure. On a besoin d'un ping-pong. C'était un ping-pong. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus fort, Jaune. Ce cône de signalisation t'a rendu plus bruyant. Peut-être que ça marchera avec la sirène. Ah, voilà un ping-pong bien fort. Au revoir, Fiona. Merci d'être venue au garage de Gecko. Salut tout le monde. C'est Gecko. On est sur le chemin du retour. Quoi? C'est bébé camion. Qu'est-ce qu'il y a, bébé camion? Tu as perdu ta tétine? Ne t'inquiète pas, on va te la retrouver. Allez, allez, les mécaniciens! Essaye de regarder près de ces fleurs rouges. Tu vois quelque chose? Et dans ce buisson vert? Tu vois quelque chose là-bas? Elle doit être ici, quelque part. Désolée, bébé camion. Je ne trouve ta tétine nulle part. Oh, bleu! Bien joué! Tu l'as trouvé! Et voilà, bébé camion. Ah! Tout est bien qui finit bien. Merci pour votre aide à tous. Au revoir! C'est Maman Camion et Bébé Camion. Pourquoi vous attendez ici? Le tunnel est bloqué et vous ne pouvez pas passer? Je vais jeter un coup d'œil. Waouh! Il y a eu un effondrement! Effondrement. Nous sommes piégés à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma boîte à outils. On va avoir besoin d'une plus grande boîte à outils. Tilly n'est pas assez fort pour déplacer le rocher. Comment allons-nous sortir? T'es si forte! Maman Camion a sauvé la journée! Je ferais mieux d'appeler Eric la pelleteuse pour enlever toutes les pierres.
À bientôt pour d'autres aventures au garage de Gecko. Bonjour tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture. Regardez, voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer. Salut bébé camion. Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici. Splish, splash et splosh. Lavage de voiture de Gecko activé. Ce n'est pas bon. Tu es encore plein de boue. Bien sûr, on ne l'a pas rempli de savon. On ne peut pas être propre sans savon. Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue. C'est bizarre. Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles. Ah ah, c'est ça. Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. Le lave-auto fonctionne et bébé camion est étincelant de propreté. C'est la signature de Gecko. Au revoir! Bienvenue de nouveau au garage de Gecko. Nous venons d'installer notre système d'alerte d'urgence. Hein? Quelqu'un doit avoir des problèmes. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. C'est Eric, la pelleteuse. Je crois qu'il a heurté un rocher. Regardez, on dirait même qu'il a cassé sa chenille. Oh, oh bleu, je sais que la tempête est effrayante. Mais on a besoin de ton aide. Tu arriveras à être courageux pour nous. Ouh, je ne peux pas l'atteindre. Et je suis trop grand pour passer par ce trou. Oh. Oh là là, il faut faire vite. Je crois que le barrage va déborder. Bleu est assez petit pour passer dessous. Bravo, Bleu. Tu es très courageux. Oh non! Le barrage va s'effondrer. Dépêche-toi, Bleu. Ah! Ah! Oh, bravo, Bleu. Tu as affronté tes peurs. Et regarde, un arc-en-ciel. Salutations de Gecko. Au revoir. Bonjour à tous. On a une journée chargée. Bébé camion et Max ont besoin d'un changement de pneus. Mais où est Max? Bonjour, Max. Allez-y, les mécaniciens. Oh,
Jaune a roulé et s'est cogné la tête. Alors à vous de jouer, bleu et rouge. Les chauffeurs. Allez, viens, Jaune. On dirait que les pneus se sont mélangés. Ce n'est pas grave. On fait tous des erreurs. Il nous suffit d'échanger les pneus. Ne t'inquiète pas, Max. On va vite régler le problème. Burk. Oh. Bébé camion, on voit bien que tu t'amuses. Mais ce sont les pneus de Max. Est-ce qu'on peut les lui rendre maintenant? Ah, oh, bien joué, bébé camion. C'est important de toujours rendre ce qu'on a emprunté. Et bientôt. Au revoir. Bienvenue de nouveau au garage de Gecko. C'est une belle journée ensoleillée. Rouge, mets-toi en route vers le toit. Il va finir d'installer nos nouveaux panneaux solaires. Ils vont prendre l'énergie du soleil et la transformer en électricité propre pour tout le garage. Salut, Bobby. Waouh. Regarde-toi. Tu es tout sale. Alors qu'on t'a nettoyé seulement hier. Ce n'est pas grave. Splish, splash, splosh. Activez le lave-auto de Gecko. Tout propre et prêt à reprendre la route, Bobby. Oh. Tu es encore sale. Comment est-ce arrivé? Je crois qu'on va devoir te laver à la main. Lavage rapide. Tu peux reprendre ton trajet, Bobby. Donc ça qui te salissait. Ton vieux moteur à essence sale. Et que dirais-tu d'un moteur électrique tout propre à la place? Est-ce que les panneaux solaires sont prêts? Les panneaux prennent leur énergie du soleil et donnent de l'alimentation à Bobby pour démarrer. On se retrouve bientôt pour plus d'amusement au garage de Gecko. Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko. Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Ouf. Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens. Je pense que le garage est peut-être hanté.
Bleu. Attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire « Adieu, fantôme !» Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous! Au revoir! C'est ça, les mécaniciens. Nettoyons le garage comme il faut. Oh! On dirait qu'on a des clients. C'est la famille Camion. Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion. Il n'a pas l'air très content. Une dent qui bouge. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Bébé Camion. Quand elle tombera, tu pourras la mettre sous ton oreiller et tu recevras une belle pièce d'or. Oh non! Bébé Camion a perdu sa dent qui bougeait. Oh, ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Allez, allez les mécaniciens. Burk. Désolé, Vert. Ce n'est pas une dent. Ah! Attention, Jaune. On a cherché dans tout le garage et il n'y a aucune trace de la dent de Bébé Camion nulle part. Oh. Juste une minute. Il y a un endroit où on n'a pas vérifié. C'est dans le plumeau de Bleu. Ah ah! Et voilà, Bébé Camion. Maintenant, rentre chez toi et mets-la sous ton oreiller. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures excitantes au garage de Gecko. Au revoir! Achou! Fiona, camion de pompier. Qu'est-ce qu'il se passe? Ton tuyau ne fonctionne pas? Jetons un coup d'œil. Ne t'inquiète pas, Fiona. On va vite te réparer. Je vais prendre ma meilleure clé à molette. Quoi? Allez les mécaniciens, aidez-moi s'il vous plaît. Tu vas bien, Jaune? Bon, je pense que le problème est réglé. Merci de nous avoir rendu visite au garage de Gecko, Fiona. Au revoir!
Oh! Salut tout le monde! Vicky, le camion à glace est en réparation. On est en train de faire quelques finitions. Merci, Jaune. Est-ce que je pourrais avoir un tournevis? Attention, les mécaniciens. Ce tuyau est plein d'air glacé. C'est comme ça que Vicky congèle sa glace. Jaune! Ne touche pas ce bouton! Mécanicien, vous m'avez sauvé. Maintenant, finissons de réparer Vicky. Merci, Vicky. Au revoir, tout le monde. Salut, tout le monde. Bienvenue à nouveau au garage de Gecko. On fait juste un check-up de Bobby le bus. On a presque fini. Attendez, les mécaniciens, je suis encore en haut. Bobby, oh mince, il ne peut pas m'entendre. Mécanicien, vite! Faites quelque chose! Ouh! Regardez! Un pont droit devant! Ouh! Wow! C'était vraiment moins une! Oh, regarde, un pont haut. Bonne idée, les mécaniciens. Il faut juste que j'attrape l'échelle. Oh, raté. Et maintenant quoi? Oh. Wow. Bien joué, Jaune. Tu as sauvé la journée. C'est bon, Bobby. Tu ne savais pas et personne n'a été blessé. Merci pour votre aide, les mécaniciens. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Au revoir. Bleu! Bleu! Où es-tu? Bonjour tout le monde. On travaille dehors aujourd'hui parce que l'échelle de Fiona est coincée. Elle est trop grande. Oh! On devrait aussi vérifier tes pneus, Fiona. Oh, Bleu! Quelqu'un pourrait-il aller chercher le cric? Bon travail, Rouge. Je vais prendre ma clé à molette. Robot rebondissant! Ne t'inquiète pas, Rouge. On va te faire descendre. Vert, Jaune, ramenez-moi une couverture. J'ai une bonne idée.
Rouge, quand je te dis de sauter, tu sautes, d'accord? Saute! Oh! Bleu, c'est le moment d'être un héros. Tu es prêt, Bleu? 3, 2, 1, sautez! Vous inquiétez pas, on va vous attraper! Ouf! Tu as sauvé la journée, Bleu! Hourra pour le héros! Venez, super mécanicien! Finissons les soins de Fiona! On se revoit bientôt! Au revoir! Oh, bonjour tout le monde! Bleu et moi allons chercher un arbre de Noël pour le garage! Oh, hii! C'est Bobby le bus! Il est coincé! Oh! Ce chocolat chaud va te réchauffer! Ne t'inquiète pas, Bobby. On va vite te décoincer. Oh! Ce n'est pas bon. Décroche-nous, Bleu. On va essayer autre chose. Oh non! Maintenant, Tilly est coincé dans la neige. Oh, cher Bleu, on dirait que nous sommes aussi coincés. Ne sois pas triste, Bleu. Quelqu'un va nous aider. Au moins, on a ce chocolat pour nous tenir chaud. Oups! Regarde! Le chocolat chaud a fait fondre la neige. J'ai une idée! Ça a marché! Accroche-toi, Bobby! Il n'y a pas de quoi, Bobby! Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire de cet arbre? Aha! Parfait! Joyeux Noël à tous! Venez, les mécaniciens! Aujourd'hui, on a la visite de Fiona! Waouh! Je suis Will Watty Weasel, patron des roues Weasel, entièrement automatisé pour une réparation rapide. Bonjour, monsieur Weasel. Je suis Gecko. Ah! Voici mon premier client. Chaque tâche est faite rapidement. Donc, on peut dire que les roues Weasel sont numéro 1. À plus tard, grenouille. Mon nom est Gecko. Très bien, Floella. Ce ne sera pas long. Je ne suis pas sûr de savoir quel bouton démarre le programme. Oh! Appuyons sur tous les boutons, ça devrait marcher. Reviens me voir, Félicité. Ça, c'était rapide. Oh, ciel! Elle n'a pas l'air bien. Viens donc, Fiona. On va regarder ça. Voilà le problème. Weasel était tellement pressé de faire les choses qu'il a mis du savon dans ton réservoir au lieu de l'huile. On
On a réparé le problème correctement. Maintenant, Fiona roule sans bulle. Je suis sûr que j'ai appuyé sur le bon bouton. Hein? Burke! Oups! À très bientôt, au garage de Gecko. Au revoir! Bonjour à tous. Eric l'excavateur est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider? Je crois que je vais choisir... Jaune. Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, Jaune. On va maintenant tester ta chenille. Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh! Il faut un peu d'huile, Jaune. Bien joué, Eric. Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, Jaune? Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir ici, au garage de Gecko. On est presque arrivé au garage, les mécaniciens. Wow! Quelqu'un a jeté des ordures sur la route. Il y en a beaucoup. Et maman recyclage n'a pas l'air contente. Allez, si on suit la piste, on découvrira qui les a jetés. La piste nous amène à gauche. Hein? C'est Dylan, le camion Ben. Son coffre cassé laisse tomber des détritus. Mais la musique est si forte qu'il ne le remarque pas. Les mécaniciens, nous devons éteindre la musique de Dylan. Recyclons et sauvons la journée. Et utilisons des choses qu'on a jetées. Dylan! Dylan! Ton coffre, il est cassé. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Pendant que maman recyclage et les mécaniciens trient les déchets. C'est fait. Comment se passe le tri? À très bientôt pour de nouvelles aventures au garage de Gecko. Dylan, baisse le son.